Qu'est-ce qu'il fiche là-bas, François? Il est en train de lui raconter sa vie. Et alors ça va, vous deux? Ça dépend. Et en quoi? Des moments, il est triste et doux. Des moments, il me prend dans ses bras à faire craquer les os. Des fois, il parle sans s'arrêter. Il parle de la mer, des poissons, de la guerre. Et des fois, il reste des heures à faire sans rien dire. Il est bizarre. Ouais, dis donc, Lisa. Mais tu vois, je crois bien que c'est moi qui suis chopée. Eh bien. Tu sais, quand tu m'as dit, il faut l'avoir, j'ai ri, j'étais si sûre. Je crois bien que c'est lui qui m'a eu. Ça vaut mieux que la comédie pour le procédé. Hein. Tu crois ça? Non. Quand il met sa main large et dure sur mon épaule... Oh, pas de romance, voilà, tu sais ce qui est convenu. Qu'est-ce qu'il fiche avec cette poule-là? Eh ouais, ça est François. Faudra venir te chercher. Impatiente, monsieur François. Vous avez mes amis. Ce ne sont pas vos amis? Si. Mais ça ne vous regarde pas, vous êtes là comme un reproche. Moi? Oui, vous. Hein? C'est pas trop tôt. Quoi dire proche maintenant? Attendez-moi un instant, je reviens. C'est moi qui l'envisais de toi. Mon Dieu. Oh, dis pas ça. Je voudrais toujours être avec toi. Toi, non. François. François, je voudrais que tu me serres fort dans tes bras. Combien d'hommes tu as déjà dit ça? Quelques-uns, bien sûr. Mais jamais comme à toi. C'est eux qui me le disaient le plus souvent. Ils m'aimaient. Oui. Moi aussi, je t'aime. Il faut bien. Oh, tu me fais mal. C'est bon que tu me fasses mal. Eh bien, les tourterons, ne vous gênez plus, là. Ça a l'air d'aller, les amours, hein? Mais le reste... Mais qu'est-ce qui ne garde pas, mon vieux? Des regrets? Des regrets? Mesdames, tu es là comme un santon. Si tu regrettes... Hein? Mais si je regrette quoi? Le patelin, quoi, les vieux... Hein? La sueur, la crasse, le boulot en crever, l'obéissance, quoi, chef. Oh, ta gueule, rien, tu entends, je ne regrette rien. Le village m'en balance. Je retournerai plus tard, avec ma voiture. Ce que j'en dis, moi, c'est pour toi. Car tu penses que si tu ne veux pas y rester, il y en a des tas qui ne demanderont pas mieux d'accepter. Allez, vivement qu'on commence, hein. Et vive la liberté, et vive le fric, et vive la joie. Allez, donne-moi à boire encore. Et tu sais, je suis parfait marre, hein. Tu verras, Marisa, la vie sera belle. Ah, notre travail, là, et les pépères, puis je te mettrai au courant. Avec un peu de cran, là, du culot, et on les encaisse, c'est dur. C'est un travail que j'ai pas l'habitude, moi. Les caisses, les sacs, les... Ferme ça, hein. C'est pas la peine de mettre tout le monde au courant, là. Bon. Eh bien, ne pensons plus à rien.